Nous recevons maintenant la candidate de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Mme Émilise Lessard-Therrien. Bonjour, Mme Therrien. Bonjour, Annie. Le but de l'entrevue, c'est de vous faire connaître sous un jour plus personnel. Alors, vous êtes originaire de quel endroit? Du Témiscamingue. Je suis née à Duhamel-Ouest et j'habite toujours Duhamel-Ouest après 26 ans. Si je vous demandais de vous décrire, vous me diriez quoi? Que je suis une fille généralement très active. Disons que ça roule toujours, 1000 projets à la fois. Assez proactive aussi. J'aime initier des choses, j'aime développer des choses et que ça porte des fruits assez rapprochés dans le temps. Et qu'est-ce que vous avez comme formation? J'ai commencé un bac en éthique et culture religieuse à l'UQAM en 2013. Pour enseigner au secondaire, puis ensuite, là, après un petit passage à Montréal où j'ai peut-être plus ou moins apprécié le passage en ville, je suis revenue en région, puis là, j'ai poursuivi mon bac à Rouyn-Noranda en géographie, histoire, là, univers social, là, toujours en enseignement. Et avant de vous lancer en politique, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais toujours étudiante à ce moment-là. Là, j'ai un parcours, là, j'ai aussi, en même temps que les études, j'étais agente de développement au Centre Fermefête, ici à Ville-Marie, puis dans le fond, je suis tombée en congé de maternité. Fait que quand on m'a sollicité pour prendre l'engagement auprès de Québec solidaire, là, à ce moment-là, j'étais en congé de maternité. Là, ça s'est fini là, il y a quelques semaines, tout juste. Donc, une jeune mère de famille, qu'est-ce qui fait qu'on se lance en politique, justement? Qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Bien, je pense que c'est vraiment un désir de contribuer à ma région, à mon milieu. Ça, on dirait que ça faisait un petit bout de temps que je cherchais le meilleur endroit pour m'impliquer. Depuis l'automne dernier, je suis conseillère municipale à Duhamel-Ouest. Ça répondait en partie là, à mon désir d'implication. En même temps, là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire à un palier supérieur. C'est sûr que là, ça, justement, avec une petite fille, elle avait 6 mois là, au moment de d'entamer ma réflexion. Bien, on se pose des questions, c'est comment on fait pour concilier tout ça. Puis en même temps, nous, on a la chance ici d'avoir notre députée fédérale, Christine Moore, qui est quand même un bel exemple là, d'une femme impliquée en politique, une jeune femme avec des enfants. Fait qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a raconté que c'était faisable. Puis bon, c'est sûr que ça implique certains défis. Puis en même temps, moi, ce que je me disais, parce qu'au moment de la réflexion, je me disais, je peux pas faire ça, j'ai mon bébé, on a acheté une ferme, on était bien implanté dans notre milieu. Puis j'avais l'impression que le sacrifice de passer une partie de ma vie à Québec, en tout cas le temps d'un mandat, que ça impliquerait au niveau de la famille, tout ça, mais je me disais en même temps, peut-être que la petite chose que je donnerais moins à ma fille, je vais pouvoir la donner à tous les autres enfants en m'impliquant au niveau en politique provinciale. C'est ça. On a pesé les pour et les contre. Puis on a un petit bébé, une petite fille aussi tellement conciliante, qui est facile à traîner partout. Fait que finalement, on est allé all-in, puis on s'est lancé là-dedans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous feriez une bonne politicienne? Bien, je pense que l'écoute, ça, c'est important d'écouter son monde. J'aime entrer en communication avec les gens, j'aime les écouter, j'aime entendre ce qu'ils ont à me dire. Puis ça, je le vis beaucoup là, en ce moment pendant la campagne parce qu'on est vraiment sur le terrain. Puis c'est un des bouts que j'aime le plus, là, vraiment, de pouvoir échanger avec les gens. Ça, je pense que c'est fondamental parce qu'au fond, on est là pour représenter notre monde, tu sais, à Québec. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'interpelle de me lancer en politique, c'est d'aller donner une place à la région. C'est Rouyn-Noranda-Témiscamingue, on a une place au Québec, puis on va aller le défendre à l'Assemblée nationale. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire avant tout. T'sais, peu importe le parti qui sera au pouvoir, moi, je veux défendre ma région d'abord. Puis je pense qu'on a tellement de potentiel ici. Puis des fois, c'est juste ça nous prend juste un petit coup de pouce politique, t'sais, pour pouvoir mener à terme tous les projets qu'on a envie de faire. Fait que moi, j'ai envie de me servir de mon rôle de députée comme d'un outil pour développer ma région. Et quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas commettre en politique? Je pense qu'il ne faut pas prendre son monde pour acquis. Ça, c'est la première des choses. Moi, si je suis élue le 2 octobre, c'est pas parce que je vais avoir fait une campagne ou je vais avoir été très terrain qu'on ne me verra plus, puis tout d'un coup, je vais dire les gens m'ont donné leur appui, je leur dois plus rien. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Prendre son monde pour acquis, il faut continuer d'être sur le terrain, de s'impliquer. Puis moi, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans le travail d'un député, c'est que je vais pouvoir continuer de faire toutes mes implications, puis ça va être ma job de faire ça, de m'impliquer à plein niveau dans mon milieu, d'aller vraiment sur
tu sais, dans plein de comités, d'écouter le monde puis de participer concrètement au développement de la région. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant là-dedans. Et vraiment, c'est ça. Je pense que c'est la plus grosse gaffe à faire, là, c'est de prendre son monde pour acquis puis de juste dire, bon, ben je suis élu, j'ai plus rien à faire, puis je vais venir défendre les décisions de mon gouvernement en région. Moi, c'est la pire chose à faire. Comme en entrevue d'embauche, on va vous demander, quelle est votre principale qualité? Je pense que vraiment être proactive, ça, c'est quelque chose qui me décrit assez bien. J'aime aller des fois au-delà, tu sais, en avant, si je pourrais dire, tu sais, d'espèce de prévenir un peu ce qui s'en vient ou de ne pas attendre que la demande vienne. Comment je pourrais dire? Bon, l'exemple que je pourrais sortir, c'est avec le film L'anecdote agricole sur lequel j'ai travaillé. Tu sais, c'était pas nécessairement une demande du milieu, mais moi, j'ai eu envie de dire « Wow, on a un monde agricole qui est super au Témiscamingue, on va créer un pont entre la population agricole et non agricole. » Puis finalement, ça a tellement bien fonctionné, puis on s'est rendu compte en le faisant, ça répondait à un besoin, tu sais, de valoriser l'agriculture, d'en parler, de promouvoir ce qu'on faisait sur le territoire. Et ça, je pense, c'est un bel exemple de proactivité, comme j'aime le faire. Là. Fait que ça, être proactive, vraiment aller au-delà des besoins, puis de les prévenir un peu d'avance. Principal défaut? Je pense que j'aime vraiment être productive. Tous mes champs d'intérêt doivent donner du résultat. J'ai l'impression... c'est une qualité, mais en même temps, je pense que ça peut devenir un défaut. Des fois, ça peut jouer sur la motivation. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent, tu vas voir, en politique, les résultats peuvent tarder à venir. Ça peut être long avant de donner des résultats. Fait que j'ai l'impression que je vais peut-être sentir que je ne suis pas assez productive à certains niveaux. Puis ça va peut-être affecter légèrement la motivation, mais je vais me trouver d'autres endroits pour rester productive. Et c'est quoi vos principaux champs d'intérêt? C'est clair que j'ai un gros faible pour l'agriculture. Je suis tombée dedans il y a quelques années en allant travailler sur une ferme. Moi, je n'aime pas du domaine agricole. Puis je trouve que l'agriculture, c'est fondamental. L'alimentation, c'est fondamental. C'est un de nos besoins de base. Puis quand on a des gens qui mangent bien, on évite plein de problèmes de santé. Quand on prend soin de notre territoire, qu'on cultive bien, c'est bon pour l'environnement aussi. Donc, l'agriculture, ça, c'est un de mes grands champs d'intérêt. Je trouve aussi au niveau de l'identité collective, c'est quelque chose d'assez fort. T'sais, on est tellement fiers de nos produits régionaux ici. C'est très porteur. Ça, j'ai un gros faible pour ça. Sinon, pour toutes les questions de justice sociale aussi, ça m'interpelle beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'avais démarré un groupe d'Amnesty International à mon école secondaire, j'avais poursuivi au cégep, toute la justice, donner les chances égales à tout le monde, ça a toujours été quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Bon, après, on pourrait sortir, là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler de ses mains, je fais du métier à tisser, j'ai tricoté un petit peu, j'aime construire des choses, tu sais, avec mes mains. Vous parliez de métier à tisser, de tricot, qu'est-ce que vous faites de vos loisirs, de vos temps libres quand vous en avez? Je m'occupe beaucoup de mon enfant. J'ai un jardin, un très grand jardin. C'est sûr que mes temps libres sont modulés un peu en fonction des saisons. Là. Fait que j'essaie, c'est ça, d'être assez active à travers mes activités. Fait que là, ça a été beaucoup jardinage cet été. L'hiver, j'aime beaucoup tisser. On joue beaucoup à des jeux de société à la maison, c'est drôle. Là. Mais dans nos temps libres, quand on a un petit 2 minutes, là, on aime bien sortir un jeu de société. Être dehors, là, vraiment le plein air, là, aller faire des feux dans la forêt, aller glisser, aller promener le chien, tu sais, c'est pas mal mes activités. Là. Si vous êtes élu le 1er octobre prochain, quels seront vos engagements envers les Témiscamiens et les Témiscamiens? Je veux vraiment représenter la région ici, avec nos réalités, notre monde, notre territoire. Ça, c'est clair que moi, c'est vraiment... Je veux aller nous défendre à Québec. Ça, c'est dans un premier temps, c'est officiel. Ensuite de ça, j'ai vraiment envie de travailler à la décentralisation. La centralisation, ça nous a fait mal ici dans la région. On a perdu beaucoup de services, beaucoup de lieux de concertation qui sont essentiels dans une région comme la nôtre où on est très déployé sur le territoire, où on a besoin de communiquer et de travailler ensemble. Pour se donner des infrastructures, mais pour se donner des projets aussi de société, ça, c'est fondamental. Donc, vraiment travailler à la décentralisation.
Après, il y a plein d'enjeux ponctuels. Tu sais, ça fait combien d'années qu'on parle d'avoir un abattoir, tu sais, un abattoir provincial pour pouvoir consommer la viande qui grandit en région. Tu sais, ça, c'est officiel. On a déjà une entreprise qui en possède une, qui aurait de l'ouverture à faire plus grand. Tu sais, on a déjà parlé un petit peu avec eux. On veut vraiment... Puis on veut travailler avec les structures qui sont en place. Ça, j'ai vraiment envie de le dire aussi. Développer la deuxième transformation en région. Tu sais, on est une région de matières premières. Moi, j'ai hâte qu'on puisse dire qu'on fait autre chose aussi que de fournir du minerai qui va être transformé ailleurs, que de fournir du grain qui va être transformé ailleurs. T'sais, je pense qu'on a ce potentiel-là en région, on est créatif. Il faut mettre ça de l'avant, vraiment. Là, il faut travailler là-dessus. Après, il y a tous les défis aussi au niveau de l'attraction et de la rétention des nouveaux arrivants sur le territoire. Donc, juste là, il y a beaucoup de défis aussi. Je pense qu'on peut travailler pour avoir une qualité de vie qui est intéressante au Témiscamingue. Je pense qu'on en a déjà une, mais elle peut être bonifiée encore avec plus de services, notamment, pour que les gens entendent parler de nous, qu'on rayonne à travers la province, puis que les gens viennent chez nous, puis qu'ils s'y établissent, puis qu'ils fassent en sorte que le Témiscamingue va encore exister dans 50 ans. Et pourquoi le 1er octobre, on devrait voter pour Émilise Lessard-Terrien? Bien, je pense que je suis une fille... Bien, d'un, je suis une fille de la place. Fait que, tu sais, le milieu, je le connais quand même bien. Je connais nos réalités. Je pense que je suis une personne accessible aussi. J'aime que les gens viennent me rencontrer, qu'ils m'abordent, qu'ils m'arrêtent, qu'on discute. Je m'intéresse aux problématiques que visent les gens, aux préoccupations. Donc, c'est sûr que les Témiscamiens, les gens de Rouyn-Noranda vont avoir une voix à l'Assemblée nationale. Puis moi, je le dis, on est dû pour avoir des représentants de la région à Québec et pas quelqu'un qui défend les régions, qui défend le gouvernement, je veux dire, en région. Et moi, je peux dire, comme Manon Massé le dit, je ne vous laisserai pas tomber. Et je vous laisse le temps qui reste pour inciter les gens à aller voter, notamment les jeunes électeurs qui votent très peu. Oui, très peu. Puis en plus, cette année, ce qui est particulier, c'est que pour la première fois depuis longtemps, le vote des jeunes a un aussi grand poids, si vous voulez, dans la balance que le vote des baby-boomers. Donc vraiment, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on a vraiment une voix. Puis aux dernières élections, seulement 41% des 18-35 ans ont voté en région. Donc vraiment, les décisions qui sont prises aujourd'hui vont moduler notre futur. Puis c'est pour ça aussi que je pense que ça nous prend la relève des jeunes qui s'impliquent en politique, parce que nous, dans le monde, on va continuer de vivre dans le monde dans 50 ans. Puis moi, j'ai ma fille qui commence sa vie. Elle vient d'avoir un an. Puis j'ai envie qu'elle ait un futur intéressant, autant au niveau de l'éducation, mais au niveau de l'environnement aussi. T'sais. Donc, on a une vision à long terme. Puis je pense que les jeunes, il faut qu'ils s'intéressent vraiment de plus en plus à la politique. Puis il va y avoir des belles occasions en région pour le faire. On a beaucoup de débats, nous, ici, en région. Moi, je l'ai dit hier au Cégep, on est allé le 19 septembre, on va être au Cégep. La veille, on va être ici, au Témiscamingue, pour un débat au Théâtre du Rive. Donc, vraiment, la population, on a des belles occasions de rencontrer tout le monde puis venir entendre les candidats. Puis moi, je trouve ça vraiment important. Bien, merci beaucoup du temps accordé, Émilise Lessard-Terrien. Merci beaucoup.